Le Parmelan dont nous allons faire la traversée aujourd'hui. On va faire 3 bêta Dio avec un soleil radieux ce matin qui se lève. C'est parti. Voilà, on prépare les affaires. On va partir de l'Anglette, direction du Parmelan par le Cré des Outalets et on va aller à O3 bêta. Et voilà, SG CAF le retour à la recherche des indices. La grotte de l'Adio avec Jeffrey White, Valentin Peria et Yves Ménard. Nous allons faire la traversée 3 bêta Adio. Voilà, on se rapproche, on est bientôt vers la grotte de l'enfer. Pour les connaisseurs, c'est parti, on avance. Les Lapias du Parmelan. Traversée, souvenir, hommage. Et le magnifique Lapia du Parmelan devant nous, on fera une petite vidéo après. Et voilà, on arrive à atteindre des 3 bêta avec nos 3 intellos. Alors Valentin, prêt pour la grande traversée? Ouais. C'est parti. Voilà, on regarde le découpage, Yves et Jeffrey, Valentin qui est prêt. Ouais. Donc c'est moi à l'équipement, Jeffrey au déséquipement et Valentin et Yves au portage. Et voilà, on est parti pour la traversée 3 bêta du haut. L'entrée des 3 bêta. Oh! J'ai 88 mètres sous les pieds. Ouais, on dirait pas comme ça. Hein. Allez Clément, prêt à descendre. Et les autres derrière, prêts à y aller aussi. Hein. Attends. Il faut ramener. Il faut peut-être mettre la corde aussi à un moment. Ah bah oui. Attends, il allait descendre. Et voici Yves Ménard qui descend. Puis le... Ouais, depuis le troisième fractionnement des 3 bêta. Et nous, ben avec Clément, on est déjà en bas. Voilà. On n'a pas encore trouvé le trèfle. Ah ouais, ouais. Ça ne saurait tarder. Voilà. Un spéléo qui descend. Et la suite. Il est là-bas. Le néant de la Mec Star. Ah ouais? Ouais. Ah ben, ils devaient être contents quand ils ont trouvé ça, ça c'est sûr. Hein. En bas du grand P50. MP67 qui descend des 3 bêta. La Tanopone, elle arrive par là. Et là, c'est l'amont de l'affluent des Grenoblois. Et là, on descend vers l'aval de l'affluent des Grenoblois. Et c'est parti pour l'Adio, bientôt. Donc là, on est déjà à l'affluent des Grenoblois. On doit être vers moins 300, pas tout à fait. Si, un peu plus de moins 300. Donc là, on arrive de l'affluent des Grenoblois. Il se perd dans une petite perte là. Hop, voilà. Le haut magnifique, très grand. Et la suite là-bas, on arrive à la salle des rhomboèdres bientôt. On arrive à la salle des rhomboèdres, une main courante bien acrobatique. Avec Yves qui descend. Va-t-il se laisser glisser? Et voilà, Yves qui arrive. Et bravo. La salle des rhomboèdres. Voilà l'accès, le plafond très très haut, une première suite là-bas, c'est très grand, une seconde suite là-bas, magnifique. Très déçu, c'est des rhomboèdres, mais franchement, nous, ils sont petits, hein. À Soudine, on a un trou, il y en a beaucoup plus, alors c'est beaucoup mieux que le Parmelan. Hein. Ouais, et, et en plus, ils sont beaucoup plus gros. Hein. Voilà. Les rhomboèdres, ils sont gros comme ça. Franchement, c'est vraiment naze comme grotte. Hein. Ouais, comme. Tu vois, c'est pas très grand comme endroit, tu vois, c'est ouais, tout petit. Ouais, donc la salle des rhomboèdres, l'arrivée de la Tanne du Bel Espoir, c'est là-bas. Et du Tordu, c'est là-bas. On va montrer quelqu'un pour les dimensions. Voir un peu comment c'est petit, hein. C'est pas du tout une grande grotte ici, voilà, on voit Valentin Peria, la star du Spéléo Club d'Annemasse, qui court dans la salle, malheureusement pas en première, hein. Voilà. Voilà, et il arrive vers l'arrivée du Bel Espoir, superbe, et là-bas la Bel Espoir et le Tordu qui arrive. Valentin, tu restes là, on va faire une photo. Là, nous sommes en tête du Puy des Échos, après la salle des Rhomboèdres. Yves qui regarde la topo. Et en dessous, Jeffrey Wade. Ouais. Comment ça va, Jeffrey Wade? Moyen. Parce qu'il faut le préparer encore, parce qu'il n'était pas prêt.
En haut du puits des échos. Ouh. Ouh. Et nous arrivons bientôt à la Dio. Nous sommes vers moins 400. Encore un petit moment pour la Dio. La Scastar qui déséquipe le P22 au-dessus du puits des échos. Et Jeff Wade qui équipe le puits des échos. Nous n'avons toujours pas trouvé les trésors, nous avons trouvé le Rumbleheader. Et voilà. Ça va, Jeffrey ? Oui, ça va. Ça va être mieux quand on est en bas de ce puits. Ah oui, après il reste un P30 et après c'est terminé. C'est baignade dans le collecteur. Oh, t'es pas le site. Et là, cette fois-là, ce sera pas comme toutes les autres fois. Cette fois-là, Valentin, on va le trouver, le collecteur. Hein. Et voilà, nous sommes au puits des échos. Voilà, et nous arrivons à l'affluent des Grenoblois, le vrai affluent maintenant. Voilà le P30 dans le début de l'affluent des Grenoblois, on va voir. Voilà, super le puits. Ça commence à envoyer un peu là. Et ensuite, voilà, on arrive dans l'affluent. Alors Yves, ça te plaît ? Allez, super ! Merci Clément ! Alors voilà, on descend. On arrive vers la Dio tout doucement et dans le P30 de l'affluent des Grenoblois. Et voilà, donc nous avons descendu le rappel guidé. Les autres arrivent. Et en bas du rappel guidé, il y a le cadeau de l'Escape Game. Normalement, on a tout rempli hein, aujourd'hui. Grand maître, ton cadeau a pris l'eau. Oh là là, j'espère qu'on pourra quand même le lire. Hein. Je vais l'ouvrir. Et voilà. Le rappel guidé. Bon ben voilà. T'es arrivé à la Dio. C'est la dernière corde obligatoire. Tu es à moins 600 mètres sous terre. C'est pas mal, hein? Ouais. Bon, on est à 2h de la sortie. 2h, hein? Ouais, moi je suis trempé ah ouais. En haut quand même. Hein. C'est pas mouillé en haut, toi? Donc là, vous voyez, il y a tellement de courant d'air que l'eau, elle bouge. Et voilà, donc on avance dans l'affluent des Grenoblois. On va bientôt arriver avec la Dio. Donc là, petit direct. Voilà, la magnifique galerie. D'air. On est sur l'Autrivien, c'est un début de collecteur, on va bientôt jonctionner avec la grotte de la Dio dans très peu de temps. Voilà. Ça sent le collecteur là les enfants. Malheureusement nous ne sommes pas en première. Nous sommes peut-être en 1292e. C'est pas grave, on est quand même content d'être là. Bon, ça vaut pas la vraie première quand même. Hein. Voilà. Ça va, ça passe devant que ça nous fasse un. On voit un peu l'ampleur de la merveille. Ah ah ah. C'est très très grand. Et ah, une galerie à droite. Ce n'est pas la Dio. C'est un joli affluent qui arrive. Voilà, et ça continue.
Et ça y est, c'est la duo. Le collecteur, on l'a trouvé. On a trouvé le collecteur. Enfin. Voilà, on est heureux comme des enfants, même si franchement. Bon, c'est quand même joli, on va aller un peu voir à l'amont avant d'aller à Laval. Voilà, l'amont. C'est très gros. Et voici le porche de la Dio, on sort, il y a des jeunes qui font un feu. La nuit tombe, et en face, le célèbre pas du roc, qui n'a pas donné les mêmes résultats que la grotte de la Dio. Mais ça ne saurait tarder. 70 ans, SG CAF, 2023. Spéléo, si tu trouves ce paquet, laisse-le en place. Seul un SG CAFiste peut le récupérer. Je ne suis pas SG CAFiste. Ouais, mais tu es en présence. Merci et bonne exploration. Voilà. Et c'est signé... Maître du jeu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans maintenant? Ça commence bien. Encore un paquet. Bon. Voilà, les Anglais, ils sont des. Ils sont un peu spéciaux, hein. C'est pas que nous. Qui mettaient des collants? Ouais, on met les collants pour que les pontonniers ne frottent pas trop contre le PVC. Ah. Mais il faut aussi savoir comment il faut mettre les collants. C'est ah tout bah. Comme les chaussettes, parce que en fait là, je fais n'importe quoi, mais il faut dérouler comme. Ah ouais. Mais pas pour juste déchirer comme n'importe quoi. Pour les ouais. Exciter, il faut faire. Voilà. Voilà. Hop, sont tombés. Ouais, forcément, hein. Mais c'est assez solide. Peut-être que je suis un peu plus large que la personne qui a acheté ses collants. Mais ça, c'est bien. Ah ouais. C'est après. Ça évite PVC contre PVC. Ouais. Les chaussettes. Chaussettes. C'est peut-être... peur. Au cas. C'est peut-être plus simple. C'est peut-être plus simple le néoprène quand même. Oui, peut-être. Mais c'est moins léger, ça c'est sûr. Ah bah ouais, ça, ouais, c'est sûr. Ça, c'était dans un paquet large, comme ça, et pas plus. Ouais, c'est pour ça que j'avais besoin d'un gros kit. Ouais. Et ça, c'était juste le côté de moi.